Bien, nous allons quand même commencer. Je remercie tous les gens qui sont là. Nous sommes un peu moins nombreux qu'espérés à cause des problèmes de transport. Mais en tout cas, merci pour tous. Alors, je remercie tous ceux qui ont participé à la mise en place de ce colloque. Comme vous pouvez le voir, bon, en dehors du Collège de France et de ma chaire, vous avez l'IREMO qui a été le partenaire principal et le soutien de la Fondation Hugo du Collège de France, du ministère de la Culture et de la mission interministérielle de coordination pour le Liban. Donc, remerciements et puis remerciements à Dimas HDA puisque ça a été la coordinatrice efficace entre toutes ces institutions pour la préparation de cette réunion. Alors, je vais parler d'un temps que les moins de 60 ans ne connaissent pas, le franco-belge, en quelque sorte, puisque, comme vous le savez, la bande dessinée a été longtemps en France considérée comme une publication destinée à la jeunesse, est d'ailleurs soumis à une censure régulière. Alors qu'aujourd'hui, comme le démontre la plus grande partie de notre réunion, la bande dessinée s'adresse plutôt à un public adulte et non plus à cette jeunesse qui a été la mienne et celle certainement d'Hervé. Alors à l'époque lointaine, donc, il y avait une BD communiste autour du journal Vaillant qui incarnait un univers totalement différent de la BD franco-belge. Il y avait des bons arabes, il y avait des bons indiens, etc. Mais ce n'étaient pas les mêmes que ceux des franco-belges. Mais il y avait donc surtout les hebdomadaires Spirou, Tintin, et un peu plus tardivement, chronologiquement, Pilote. Il faut y ajouter généralement pour les plus jeunes le journal de Mickey, même s'il n'était pas proprement franco-belge, puisque la plus grande partie des bandes du journal de Mickey étaient d'origine américaine. Alors, il est certain que cette BD franco-belge, s'adressant à des jeunes, voire à des très jeunes, a pu avoir une très forte influence sur la constitution des imaginaires de plusieurs générations, d'autant plus qu'à cette époque lointaine, il n'y avait pas vraiment de concurrence, sauf un peu de télévision, et en tout cas, évidemment, on parle d'un univers où il n'y avait pas de réseaux sociaux et autre chose, donc on était domination de l'écrit et du graphique, si je peux dire ainsi. Alors, les organisateurs nous ont laissé qu'assez peu de temps, Hervé et moi. Je serai donc plus bref, en surtout énumérant quelques Madeleines de Proust, me concernant personnellement en tout cas, qui permettent de discerner ce que pouvait être un imaginaire d'enfant dans les années 1950-1960, en ce qui concerne le monde arabe contemporain, parce qu'il y avait aussi un monde arabe médiéval, en quelque sorte, bon, plus qu'au total fantasy, avec le merveilleux Is No Good de Goscinny et Tabari, qui est évidemment une chose immense. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Tintin, qui en quelque sorte établit la norme dans Tintin au pays de l'or noir, dont la première version s'étale de 1939 à 1950, avec donc, là c'est la version 1949 si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire donc Tintin arrive en Palestine, et il est pris pour un juif sioniste. Alors, dans la version 49, il est pris pour quelqu'un de l'Irgun.
et il est arrêté par des Britanniques, et donc ensuite il va être libéré par une action d'un commando de l'Irgun. Alors les exégètes d'Hergé rappellent que à cette occasion, Tintin est pris pour un juif, ce qui remet en cause l'accusation d'antisémitisme portée sur les premières productions d'Hergé. Alors, comme on le sait, Tintin au Pays de l'Or Noir a été arrêté avec l'occupation de la Belgique et repris seulement dans l'après-guerre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà pratiquement nous avons la mise en place du schéma qu'on va retrouver de façon périodique durant cette période. Donc on a un émir arabe, physiquement c'est probablement un mélange entre les photos de l'émir Faisal durant la conférence de la paix et du roi Ibn Saoud d'Arabie saoudite. Donc il y a des attentats, des révoltes, des conflits de compagnies pétrolières anglo-saxonnes, là, ce sont des Anglais. Donc en 39-40, c'est évidemment plutôt une compétition allemande qui est en jeu. Il me semble d'ailleurs que c'est Hergé qui invente l'expression « pays de l'or noir » pour les Arabes, parce que je n'ai pas vu, me semble-t-il, des références antérieures à cela. Alors, quelques années après, nous avons Cockenstock, composé entre 1956 et 1958. Nous avons des Bédouins qui s'installent à Moulinsart. Alors, on pourrait voir une préfiguration du grand remplacement, enfin ce serait peut-être exagéré, mais on a donc essentiellement toujours cette image bédouine des Arabes, même si on voit quelquefois chez Hervé des villes arabes, mais tout à fait traditionnelles. Cockenstock porte cette fois sur la question de l'esclavage dans la péninsule arabique, et là c'était un sujet d'actualité à la fin des années 50, puisque c'était un grand acte d'accusation contre l'Arabie saoudite, et ce n'est qu'en 1962 qu'officiellement l'esclavage sera interdit en Arabie saoudite. Donc il y a un fond contemporain dans Cockenstock. Alors, le chenapan Abdallah, qui est le personnage arabe le plus sympathique d'Hergé, on le sait tous, a été directement inspiré d'une photo du jeune Faisal II en costume de bédouin. Et, alors, je ne vais pas le ramener ici, mais enfin, graphiquement, c'est exactement cela. Donc, c'est une photo des années 30 de Faisal II qui mourra en 1958 lors de la révolution du 14 juillet. Alors, ce modèle va se retrouver pratiquement régulièrement dans les bandes dessinées de cette époque. Alors, je pourrais multiplier les exemples. Je vais commencer par Franquin, l'autre immense dessinateur, dans « Vacances sans histoire » de Spirou, publié en 1958. Donc, il s'agit d'un émir Ibn Mazout, vous comprenez bien l'origine, roi du pétrole, fortune colossale et horriblement mauvais conducteur de voiture. Et ce souverain perd des sommes colossales, comme il se doit, dans les casinos. Donc là, je pense que directement l'allusion, enfin l'image, c'est celle du roi Saoud d'Arabie saoudite, qui, quelque sorte, la chronique mondaine de l'époque rappelait les frasques fortunées du roi, qui avait quand même réussi à épuiser les finances de son royaume.
à la fin des années 50. Alors, il détruit la voiture de Spirou. Et donc, il est obligé, comme notre émir précédent, à rentrer d'urgence chez lui parce que il y a encore une menace de coup d'État, même schéma donc chez Hergé. Et il faut vous rassurer, il reviendra et remboursera Spirou et Fantasion en lui offrant la dernière modèle de la Turbomobile. C'est à ma connaissance la seule séquence chez Franquin qui évoque le monde arabe, mais on voit bien ce schéma d'État. Plus intéressant à la limite, parce qu'on voit enfin un auteur de coup d'État qui n'est pas une compagnie américaine, c'est la série qui paraît dans le journal de Mickey, Nick et Mino, série qui s'appelle Le Grand X et les milliardaires, dessin de Jean H, donc c'est évidemment un pseudonyme, publié en 1961, 1962, dans le journal de Mickey, avant d'être pris en album en 1964. Donc là, il y a un affreux, Le Grand X est un grand méchant, qui a décidé de kidnapper tous les grands milliardaires du monde pour faire fortune. Et donc, il veut kidnapper un des rois du pétrole, mais quand il arrive sur place, le roi du pétrole vient juste d'être renversé par l'armée. Et donc, les héros qui cherchent le Grand X trouvent par hasard le souverain qui s'est caché. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la description du souverain, c'est la description des révolutionnaires. Puisque le peuple est maître de la situation, le vampire, la femme du peuple, est condamné, etc. C'est ça l'intérêt de cette bande dessinée, que je trouve que Nick Mino est une bande dessinée qu'on connaît peu, alors qu'elle avait une belle valeur. C'est le souvenir d'enfance. J'ai dû lire ça dans le journal de Mickey lors de sa publication. Alors, ensuite, un autre, de façon plus bouffonne, c'est l'émir Ben El-Mermed, souverain d'un émirat pétrolier du Golfe Persique, mais qui est plus inquiétant. Il apparaît en 1964 dans Le Gant à trois doigts de Maurice Thieu, dans les aventures de Gilles Jourdan. Et pour que la publication soit autorisée en France, il a fallu un accord du ministère de l'Intérieur. Puisque, je le rappelle, ces publications à destination de la jeunesse étaient soumises à une censure politique. Donc, l'émir en question a fait enlever un savant atomiste français pour pouvoir se doter d'une arme nucléaire. Donc là, on a l'émir qui cesse d'être un peu bouffon pour devenir un peu un dangereux criminel, le grand thème des années 60. Aussi. Mais le héros français le fera céder quand il le menacera de bombarder les raffineries pétrolières, ce qui ne pourrait que mécontenter les Américains et les Anglais. Et donc l'émir furieux va être obligé de libérer le savant atomiste français. Donc j'arrêterai là parce que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais on voit vraiment dans toute cette série de bandes dessinées le schéma du roi du pétrole qui dépense de l'argent de façon considérable et qui ensuite est soit un personnage bouffon, soit un personnage un peu plus
dangereux. Alors, bon, graphiquement, Tilleux, c'est remarquable. Hein, je veux dire, les dessins de Tilleux, en particulier pour l'expression de la vitesse, comme chez Franquin, il y a vraiment un rythme absolument effréné de l'image. Mais l'idée aussi, seconde que nous avons ici, c'est les rivalités pétrolières au Moyen-Orient, avec des compagnies anglaises ou américaines que les dessinateurs franco-belges tiennent à distance. On ne les voit pas, mais on ne les sent pas tellement sympathiques non plus. Mais Hervé, je te laisse continuer sur ces bandes dessinées d'époque. Merci Henri, donc je vais prolonger sur cette bande dessinée franco-belge. Je vais évoquer donc brièvement Black et Mortimer, Buck Danny, Tanguy et la Verdure, Laurence d'Arabie et quelques autres. Alors, s'agissant de Black et Mortimer, les deux premiers épisodes ont pour cadre le Moyen-Orient. Comment on pointe ? Là, celui-là. Voilà. Donc, Le secret de l'Espadon se passe dans une ambiance Oman, golfe, avec des paysages qui ressemblent beaucoup au détroit d'Ormuz. Là, ça s'appelle le Ras Masadam dans le livre. Donc, je commence par Le secret de l'Espadon parce qu'il y a une ambiance. Le monde arabe n'est pas présent en tant que tel. Mais c'est un peu le fond de sauce de l'album, et d'ailleurs dans une ambiance plus India Office, si je puis dire, que Arabe Bureau du Caire. Voilà. Donc c'est uniquement une toile de fond, donc je passe assez rapidement. Ensuite, voilà. Le mystère de la Grande Pyramide. Alors ça, c'est plus intéressant, puisque c'est évidemment une aventure égyptologique, dont on sait qu'elle a beaucoup intéressé, y compris les égyptologues dans les décennies qui ont suivi. Mais ce qui est intéressant, c'est la toile de fond qui est le Caire avant 52. Donc c'est une Égypte farouquienne, on peut même dire khédiviale, un peu fantasmée. Et donc là, on voit une rue du Caire. Alors ce n'est pas à Garden City, c'est peut-être plutôt à Choubra ou, voilà, ou dans le centre du Caire. On voit ici l'hôtel Shepard, donc c'est avant l'incendie de 1952, et avec une administration égyptienne solide, les policiers, les préfets, avec le fez traditionnel qui existe encore. Et sur cette vignette, évidemment, on voit le célèbre Mena House au pied des pyramides à Gizeh. Donc je me suis demandé comment Jacobs s'était pénétré de cette Égypte, parce qu'il n'y a jamais mis les pieds, en fait. Il n'y a jamais mis les pieds. Il a failli y aller en 52, et puis le coup d'État est arrivé, son voyage a été annulé. Il a failli y aller en 56, et puis Suez est arrivé. Il a failli y aller en 67, et la guerre des six jours est arrivée, puisque comme nos deux héros voyageaient sur les lignes Sabena, il est allé voir la Sabena, il dit « Écoutez, je vous fais de la pub, donc offrez-moi le billet d'avion pour aller au Caire ». Donc Sabena a ouvert un billet d'avion pour Jacobs, mais il n'est jamais allé en Égypte. Alors comment il a reconstitué cette Égypte ? À la fois par des documents, des photos, puisqu'il était extrêmement méticulé, et surtout un de ses amis l'a mis en relation avec une jeune étudiante égyptienne qui était à Paris à la Sorbonne à l'époque, de la grande famille Wissawassef, Seres Wissawassef, dont le père avait été le président du Parlement égyptien dans l'entre-deux-guerres, dont le frère est l'immense architecte qui a créé le centre d'art de poterie, de tapisserie Wissawassef sur le plateau de Gizeh. Donc cette longue conversation à Paris à la fin des années 40, avec Seres Wissawassef, qui lui a permis de reconstituer cette ambiance nostalgique de l'Égypte d'avant 52. Buck Danny, maintenant. Buck Danny, sur 60 albums, dont 40 scénarisés par Jean-Michel Charlier,
Il n'y a que 3 albums qui se passent au Moyen-Orient. Tout le reste, c'est principalement en Asie ou aux États-Unis ou même dans l'Europe du Nord. Alors, ces 3 albums sont très intéressants. C'est Les Trafiquants de la Mer Rouge, Les Pirates du Désert et Les Gangsters du Pétrole, puisque c'est les seuls albums où Buck Danny, Tom Blair et Sonny Tucson sont rendus à la vie civile. Ils sont démobilisés après la guerre du Pacifique, ils bouffent de la vache enragée après leur démobilisation, donc ils sont recrutés par une compagnie privée dont on apprend vite qu'elle fait du trafic de drogue et d'armes au Moyen-Orient. Donc ils arrivent au Caire, ils vont jusqu'au canal, à Suez, ensuite ils arrivent dans un état à peine imaginaire de la mer Rouge, qui pourrait être l'Arabie saoudite. Donc c'est une toile de fond intéressante, voilà. Mais il y a des incohérences chronologiques et politiques. L'incohérence chronologique, c'est que dans cet État qui pourrait être l'Arabie saoudite, il y a encore des guerres tribales, donc ce qui rappelle les guerres entre les Al-Saoud et les Al-Rachid, qui est pourtant soldé dès 1921. Le conflit, évidemment, avec les Hachémites, qui est soldé en 1926. Donc dans cette Arabie saoudite imaginaire d'après-guerre, on a l'impression que les Saouds ne tiennent pas le pouvoir, alors qu'ils le tiennent, évidemment. Et l'autre incohérence qui est politique, c'est qu'on voit principalement des Anglais. Vous voyez, ça, c'est un Anglais, ça aussi, sur le « ça aussi ». Donc, c'est une patrouille du désert britannique qui serait une sorte de légion arabe, mais qui serait en Arabie saoudite. Donc, c'est complètement faux, historiquement, bien évidemment, puisque dès St. John Philby, et encore plus à partir de 1945, on sait que c'est les Américains qui sont en Arabie saoudite et pas les Britanniques. Et d'ailleurs, les Américains sont très méchants parce que c'est évidemment une compagnie pétrolière américaine qui fomente tous ces complots et qui est à la source de toutes ces aventures. Donc, on sait que Charlie était passionné par le pétrole, puisque dans les années 70, il fera, je crois, pour la télévision française, des dossiers noirs consacrés à la formidable épopée du pétrole, qui était d'ailleurs une série de documentaires de bonne qualité. J'imagine qu'elle est visible sur l'INA. Donc voilà pour Buck Danny. Donc ils ne reviendront jamais au Moyen-Orient. Donc c'est une bande dessinée qui a été publiée entre mai 51 et octobre 52 dans Spirou. Nous allons passer maintenant à Tanguy et la Verdure. Alors, la première aventure de Tanguy et la Verdure se passe dans le monde arabe, mais au Maroc. L'école des aigles, pour l'honneur des cocardes, Tanguy et la Verdure sont dans une base française au Maroc. Alors, historiquement, c'est vrai, puisque nous avons eu une base à Meknès jusqu'en 61, et d'ailleurs, l'aventure publiée dans Pilote, c'est un hasard, s'arrête un mois avant que les aviateurs français ne quitte la base de Meknès. Donc là aussi, le Maroc a uniquement une toile de fond, puisque c'est une histoire de pilote, etc. Il y a des images superbes de l'Atlas marocain, mais je dirais la rue marocaine, comme on dit, la rue arabe, est uniquement là en toile de fond, et on ne parle pas en réalité de ce qui se passe au Maroc, et encore moins de ce qui se passe dans l'Algérie voisine. Pourtant, on est en pleine guerre d'Algérie, mais il n'y a pas un mot sur l'Algérie. Deuxième moment, 63, Mirage sur l'Orient. Donc ça, c'est une mission en Israël. C'est une mission en Israël où on doit vendre des mirages en Israël. Ça, c'est un thème classique dans Buck Danny ou Tanguy et la Verdure. Il faut vendre des avions, puis il y a des méchants qui sabotent les avions pour pas qu'on les vende. Bon, donc là, c'est ce qui se passe. Israël a besoin d'avions, donc c'est encore l'entente militaire franco-israélienne héritée de la 4e République, même si elle est amodiée depuis le retour du général de Gaulle au pouvoir. Mais en tout cas, cela se déroule en Israël. Le monde arabe n'est pas vraiment évoqué. Il y a un moment où on dit « oui, faites attention, il ne faut pas froisser les Arabes ». Bon,
mais le monde arabe n'est pas vraiment évoqué, donc on est en Israël, et puis finalement, les méchants sont battus. Les méchants, c'est évidemment des Américains qui veulent vendre, on ne dit pas que c'est des Loukides, mais ça y ressemble beaucoup, et le traître, c'est un des officiers supérieurs de l'armée de l'air israélienne, qui est en fait un ancien nazi. Mais les Israéliens ne savent pas. Voilà, donc tout ceci est complètement invraisemblable. Mais voilà, donc le colonel Arf, qui est un méchant, finalement, est confondu par Tanguy et Laverdu. 6 ans plus tard, on a une série d'albums avec Lieutenant Double Bang et Baroud sur le désert. Et il y en aura 2 autres plus tard. Non, ça c'est... voilà. Il y en aura 2 autres... voilà, il y en aura 2 autres 4 ans après. Donc c'est un royaume imaginaire qui se situe entre la Jordanie et l'Irak et au nord du Koweït. Donc il y a un officier aviateur étranger qui vient en formation dans la base aérienne de Longvik, à côté de Dijon, l'escadrille des Cigognes. Qui ressemble beaucoup au roi Hussein de Jordanie. D'ailleurs, il a plein de points communs. Il est petit, son père est assassiné, son oncle n'est pas net. Il a une femme occidentale, alors il y en a eu plusieurs, Hussein, mais il a une femme occidentale qu'il cache. Hussein, lui, ne les cachait pas vraiment. Mais en tout cas, voilà, donc c'est un royaume imaginaire qui pourrait ressembler à la Jordanie. Il y a une grosse différence, c'est que ce royaume dispose de grosses réserves de pétrole, évidemment, ce qui n'est pas le cas de la Jordanie, et l'aviation de ce royaume est constituée de MiG soviétiques, ce qui n'est pas non plus tout à fait cohérent, mais en fait, il y a des méchants, évidemment, et les méchants, ce sont des compagnies pétrolières américaines, qui veulent fomenter, qui fomentent d'ailleurs un coup d'État pour installer l'oncle, le méchant oncle, qui lui est évidemment vendu aux intérêts américains. Et la compagnie américaine s'appelle Middle East Petroleum. 2 autres aventures, 4 ans plus tard, Mission Dernière Chance et Indice C8, a disparu, donc toujours dans ce pays qui s'appelle le Sarakat. Donc entre-temps, la France a noué un accord de défense avec ce pays, et donc Tanguy et la Verdure sont dépêchés pour sauver leur copain, le petit roi, qui est menacé. Ce qui est intéressant dans l'atmosphère de l'époque, donc cette aventure paraît dans Pilote au début des années 70, c'est qu'il y a un détournement d'avion, une prise d'otage. Donc là aussi, on est dans l'actualité du moment. Nos 2 héros reviendront au Moyen-Orient avec d'autres scénaristes et dessinateurs en 2018, avec deux volumes, Diamant de sable et Sabre du désert, moins convaincants. Alors ce qui est nouveau, c'est que le même État est menacé par une secte fondamentaliste, et les méchants qui veulent prendre en compte, comme on dit à l'époque, les intérêts pétrolifères, sont des Chinois et plus des Américains. Voilà, donc on sent aussi que le scénario change avec l'évolution des temps. Donc voilà pour Tanguy et la Verdure, mais il y a beaucoup moins d'aventures de Tanguy et la Verdure que de Bogdani, donc il y a quand même plusieurs, 6 ou 7 volumes, peut-être une 40% de la production qui se déroule dans une ambiance moyenne-orientale. Alors maintenant, Laurence d'Arabie, très intéressant, a inspiré assez tardivement la bande dessinée. Et le premier album que voici, qui est peu connu, date de 83, publié par Dargaud. C'est en fait une adaptation du Laurence d'Arabie de Benoît Méchain, à qui on rend hommage au début, puisqu'il meurt en 83. Et le scénariste est un journaliste, écrivain, collaborationniste, Lucien Combel, qui après-guerre s'est recyclé dans des travaux de tâcheron, on va dire les choses comme ça, pour vivre. Et donc c'est Combel, il n'est pas marqué que c'est Lucien, mais c'est bien lui, c'est Combel qui fait le scénario,
Et le dessin remarquable, c'est un grand auteur espagnol qui s'appelle Brocal Remoy, qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui a un immense talent, et qui est connu surtout pour avoir fait de l'heroic fantasy dans les années 60 et 70. Donc c'est un volume très solide sur le plan historique, et ce n'est d'ailleurs que ça, c'est un peu une démarcation de la biographie de Benoît Aichin. On parle des Français, on parle de... du colonel Brémond, on parle de Pied-Pape et du détachement français de Palestine, donc c'est assez intéressant et je vous le conseille. Donc on le trouve sur les sites d'occasion puisqu'il n'est évidemment plus disponible et il n'a pas été réédité. Laurence toujours, plus récemment, en 2007, Tarek et Benton ont publié un Laurence d'Arabie en 3 volumes, mais 2 seulement sont parus, parce que la série n'a pas dû avoir de succès, et l'éditeur Emmanuel Proust a été racheté par paquet, je crois. Le graphisme, je trouve, est très intéressant. Voilà, ça c'est la couverture et l'intérieur. Donc vous voyez, le graphisme est très intéressant. Le scénario est assez correct historiquement, mais il y a de la romance. Enfin, pas de la romance au sens sentimental du terme, mais il a inventé des trucs, par exemple, peut-être qu'Henri va me démentir, que le deuxième bureau du Caire français a fomenté des assassinats de Laurence qui ont échoué. Donc tout ça, c'est complètement fantasmatique, de même qu'une disgrâce supposée du colonel Brémond, qui fait l'objet de... Il y avait un service secret français, mais il était dans la marine. Voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est à conseiller. Les 2 volumes sont de facture intéressante. Alors, je termine par d'autres évocations historiques. Rapidement, donc ça, c'est de la BD plus contemporaine. Juillard et Yann ont fait un formidable Mézec. C'est une histoire peu connue. C'est les mercenaires qui viennent aider l'embryon d'aviation israélienne pendant la guerre de 48, donc qui combattent sur des avions tchèques qui sont en général des cercueils volants. Donc c'est extrêmement intéressant. On voit apparaître la Royal Egyptian Air Force qui s'est battue contre Israël pendant la guerre de 48, qui a notamment fait une boulette parce qu'ils ont bombardé une base dont ils croyaient qu'elle était déjà israélienne. Et en fait, il y avait encore des Britanniques. Donc, ils ont bombardé par erreur un terrain d'aviation en Palestine récemment ex-britannique. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et le dessin de Juillard est, comme toujours, formidable. J'en ai fini avec les diapos, mais quelques œuvres récentes brièvement. Il y a un livre qui est paru en 2015, qui est passé inaperçu, qui est très intéressant, qui s'appelle « Ernest ». Souvenir de Cilicie. Alors, on n'est pas dans le monde arabe, puisqu'on est en Cilicie, mais c'est très intéressant, puisque c'est une bande dessinée sur la guerre de Cilicie de 20-21, qui implique les armées françaises, comme vous le savez, jusqu'à la défaite de Marache et d'Ain Teb, qui va vers le traité de Lausanne, qui fait nous retirer de notre zone d'influence de Cilicie que nous avait accordé Sykes-Picot. Donc voilà, c'est la seule bande dessinée qui existe sur cette guerre oubliée d'après-guerre. Et donc je vous conseille ce volume, Ernest, souvenir de Cilicie. Enfin, pour définitivement terminer sur les événements plus contemporains, il y a une trilogie de Juillard formidable et de Pierre Christin, qui est l'immense... scénariste, qui s'appelle Le long voyage de Léna, Léna, c'est une femme, c'est pas une école, donc paru chez Dargaud entre 2006 et 2009, et donc c'est un voyage dans le terrorisme contemporain. On sent que c'est assez post-11 septembre, et donc c'est une femme qui est en fait une agent française qui s'infiltre dans les réseaux islamistes en Europe. Qui est intéressant, et évidemment au Moyen-Orient. Donc, ce scénario est très solide, comme toujours avec Christin, et le dessin de Juillard est évidemment formidable. Et enfin, 2 autres volumes, Yalabai, de Kyunjun Park et Joseph Safieddine, paru au Lombard en 2015, qui évoque les opérations israéliennes au sud Liban, autour de Tyr, en 2006. Donc, c'est une famille franco-libanaise qui va en vacances l'été dans la famille Attir et qui est pris sous les bombardements israéliens.
Et dans la même veine, toujours de Kyung Jun Park, mais cette fois-ci sur un scénario de Nicolas Hénin, en 2016, Aïtam, une jeunesse syrienne, qui évoque une famille syrienne de Dera qui se réfugie en France après la guerre qui commence en 2011. Je ne suis évidemment pas exhaustif et j'ai déjà été trop long. En tout cas, merci Henri de m'avoir donné l'occasion de vous faire partager quelques passions. Voilà, les avions tchèques, ce sont des Michel Smith. Ah oui ? Fabriqués sous licence. Et les Égyptiens ont des Spitfire. C'est ça. Donc on fait un rejeu de la Seconde Guerre mondiale. Bien, nous les jeunes, nous les vieux qui parlons des jeunes, nous avons terminé et nous laissons la place maintenant aux gens sérieux.